Moi, c'est le ami, mais c'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble dans le ça pour nous réviser ensemble. Leçon école sabbat, nous avons pu être ensemble pendant toute semaine. Et leçon semaine, c'était une très très belle leçon. C'était leçon 11, le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. C'est leçon ça que nous avons ensemble. Mais avant même que nous rentrions dans la révision, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui sommes là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour une bonne semaine. Côté chaque jour, nous avons utilisé parole ou moment arrivé pour nous réviser ensemble le son ça. Aidez-nous pour nous comprendre davantage et mettre en application parole. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même vous avez fait pendant toute semaine pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Et bien, oubliez chaque fois, ou même vous finissez d'étudier, vous avez ça comme devoir pour partager le son ça avec entourage et comme ça, plus de monde. Capable d'arriver étudier le son de l'école du sabbat. Jean qui nous dit là, semaine là, nous sommes dans la 11e leçon, c'est-à-dire nous sommes dans la 11e semaine, et dans le guide d'études nous avons pour trimestre, qui c'est la vérité présente dans le Deutéronome. Et leçon semaine là, eh bien, c'est une leçon qui t'a montré nous importance livre de Deutéronome là, eh bien, dans la Bible là. Les nous regardons le livre de Deutéronome là, nous, et c'est un livre qui était présent dans tout l'Ancien Testament. Et auteur yo, les prophètes yo, mon cap écrit somyo, yo toujours puisé des conseils ou bien des citations dans livre ça qui c'est Deutéronome, mais pour que yo capable exhorter et bien peuple yo te gagner et bien sous responsabilité yo et bien dans époque pa yo. Et bien et leçon 1 et Jean qui noté wall depuis au commencement nous te parler de ça, et bien mot qui intéresse nous vraiment dans leçon 1, dans thème leçon 1, c'est ultérieur. C'est un bagage qui vient après qui s'est opposé avec antérieur et quelque chose qui vient avant. Mais nous avons un verset pour nous mémoriser dans le leçon ce matin. C'était Deutéronome chapitre 4 verset 29. Il dit: de là vous rechercherez le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc ouais, à travers verset ça, il y a une façon pour que nous capables de joindre bon Dieu. Et bien, pour joindre bon Dieu, il faut que nous capables chercher bon Dieu et chercher bon Dieu avec tout cœur, avec toute âme. C'est-à-dire chercher bon Dieu sans réserve, et bien sans doute, et bien comme ça, et bien n'a pas capable de joindre, et bien n'a pas capable de joindre bon Dieu. Et Jean qui leçon te dit, Jean qui nous dit déjà abordé dans sens ça, et bien leçon ce maintenant, il est centré sur le livre de Deutéronome. Importance livre ça gagné dans toute Bible et surtout semaine ça dans l'Ancien Testament. Et Noé, il y a plein de monde pour te faire des réformes, et bien pour te parler de l'adoration, pour te parler de restauration. Eh bien, ensemble de choses, eh bien, yo t'ai utilisé, eh bien, livre ça. Il y a un exemple que nous t'ai gagné dans quatre leçons ce matin. Nous t'ai ouais, eh bien, et le roi Josias, un jeune petit garçon, et depuis à 8 ans qui venait roi. Mais une chose qui peut être intéressant, c'est que Josias, c'est des petits qui ont roi qui pas qu'on fait ça qui bien dans le monde. Généralement, nous toujours une tendance influencé par parents nous. Donc aussi parents nous prend yon ligne que nous sentons qui doit, généralement nous pouvons suivre. Et parfois, tout si par nous pouvons suivre une mauvaise ligne, et ça qu'on arrive, généralement nous suivre, et bien par un nous, dans la ligne qui est nous. Ce n'est pas toujours le cas, mais en majorité ou bien en général, en grande partie, c'est comme ça, il est toujours. Mais Josias, et bien, il n'est pas suivre vraiment, et bien, trace par pas. Et bien, ça qui va le passer, et bien, arrivé dans la 18e année, et bien, et jeune homme ça, pendant qu'il t'a dirigé, parce que monsieur roi, eh bien, à 8 ans, et monsieur était passé une période et de 31 ans, eh bien, côté qu'il était roi en Juda. Mais ça ne pas passé. Eh bien, lorsque monsieur yo vient un travail qu'a fait dans le temple éternel là, yo vient joindre, eh bien, livre de la loi. Et livre de la loi, il fait référence avec livre de Deutéronome là, eh bien, que Moïse, eh bien, était venu écrit lorsque le peuple là était sous point pour qu'il était capable d'entrer dans le Canaan terrestre, côté bon Dieu te promet. Et bien, il t'a baillé. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque yo jeune livre là, yo porté le bail, et bien, Josias, et bien, généralement, yo te lit chapitre 28 dans Deutéronome là, qui est normalement et fayon, et bien, nous capable de qui présente deux grandes parties, une partie de bénédiction et une partie de malédiction. Dans le livre là, il présente si peuple là obéir ensemble avec mon Dieu, si yo suivre tout enseignement bon Dieu. Et bien, nous, ouais, première partie, il dit, mais peuple a joui de ensemble de bénédictions.
et bien que bon Dieu lui-même est réservé pour nous. Il y a toujours à la tête, il n'y a pas de mal à que tout ça est touché, il a réussi. L'autre nation qui a regardé, il a dit comment nation ça a regardé. Mais c'est toutefois, et bien, il a gardé parole. Et il y a une autre portion qui dit si vous n'avez pas gardé parole, mon Dieu, et bien, il a planté, il n'y a pas capable de récolter, ça a dû récolter. Il y a toujours à la queue, il n'y a pas de mal à la tête. C'est-à-dire, au lieu pour nous dire bénédiction, et bien, c'est malédiction que vous allez joindre. Mais qui est-ce qui va passer lorsque Josias, dans toute cause de ça, et bien, il est obligé de déléguer quelques membres, et bien, non, il est pour le voyer côté un prophétesse, qui est Hulda. Et bien, là, monsieur, il est allé côté Hulda, il a parlé ensemble avec lui. Et bien, Hulda dit avec Josias, il n'y a pas besoin de paix. Et bien, bon Dieu, et bien, la réponse ensemble avec prière, bon Dieu, pas de peuple. Et de là, et bien, Josias pour faire une réforme, et bien, dans le pays, à côté du peuple, on va là de résider encore. Le peuple a fait un ensemble de choses qui partent dans la volonté bon Dieu encore. Et ce royaume, et bien, et Josias là, et bien, ici, Judas pour connaître le moment de paix. C'est-à-dire, non, ouais, le livre de Théonome, là, il était assez important, et bien, pour que Josias, dans l'époque, par là, pour faire une réforme, et bien, dans le temps, le peuple, bon Dieu, en parlant de Judas. Et nous, ouais, il y a une autre expression encore, et parce que, et nous, ouais, Josias, il était utilisé le livre de la loi. Et le livre de la loi, et bien, c'était un thème que nous jouons dans le livre de Théonome, là. Et encore, dans les sources maintenant, nous avons une expression qui c'est ben, le ciel du ciel. C'est un thème encore, en plus l'autre auteur dans la Bible va le répéter, mais c'est un thème ou bien une expression que nous jouons dans le livre ça, qui c'est de Théonome. Et nous avons Salomon, et dans la prière qu'il a fait, il a mentionné le ben, thème ça. Et nous avons Néhémie encore, Néhémie était soulevé ben, pour parler de lui, et auteur qui écrit sur le 148 là, eh bien, il était utilisé expression ça. Mais il y a une bagarre qui n'est pas intéressant. Lorsque on parlait du ciel, eh bien, c'est une expression qui montrait, eh bien, grandeur bon Dieu, qui montrait majesté bon Dieu, pouvoir, puissance, l'autorité que bon Dieu gagnait, eh bien, sur l'humanité. Même Jean, là, nous lit dans l'Apocalypse, plusieurs côtés, il dit, eh bien, bon Dieu, il c'est Alpha et l'Oméga, il c'est commencement et la fin. C'est-à-dire, bon Dieu gagne autorité sur toute bagarre, bon Dieu. Par les limites. Eh bien, expression ça, c'est ça le dire. Les montrer puissance bon Dieu, pouvoir les autorité, les majesté, le grandeur, souveraineté bon Dieu. Eh bien, Noé, eh bien, c'est ça qu'il mentionne. Mais nous avons l'oué, eh bien, Néhémie, qui est serviteur de l'Éternel, eh bien, il a pris à l'utiliser expression ça. Dans Néhémie, chapitre 9, verset 6, eh bien, il a pris à parler lui-même de l'adoration. C'est-à-dire, l'oué, eh bien, expression ça, elle nous dit le ciel du ciel, et bien, côté, il dit c'est les cieux. Et les cieux des cieux, eh bien, qui montrait bon Dieu en tant que créateur. Et puisque bon Dieu c'est lui-même qui créateur, nous disons, eh bien, Néhémie, lorsque le peuple a été connu ensemble de moments difficiles, lorsque le temple éternel a été dévasté, eh bien, nous disons, Néhémie, tu as bien mentionné, eh bien, expression ça pour le montrer, le peuple a parlé de adorer les idoles, eh bien, c'est bon Dieu qui a dû adorer parce que bon Dieu c'est créateur qui est, c'est-à-dire, Noé. Et pour parler de Néhémie, qui utilisait l'expression ça, le ciel du ciel, eh bien, il fait référence avec bon Dieu en tant que créateur. Et si bon Dieu c'est créateur, bon Dieu mérite adoration. Nous avons parlé d'une autre partie qui est vraiment importante. Eh bien, le Deutéronome dans le livre de Jérémie. Et nous, même le prophète Jérémie, il a parlé d'utiliser encore eh bien, des expressions ou bien, des paroles qui nous joignent dans le livre de Théonome qui est assez intéressant pour dire que l'Éternel Jérémie a besoin que le peuple a lui-même lui converti, que le peuple a changé condition de vie, que le peuple a suspendu à adorer les idoles, que le peuple a suspendu et bien plongé dans le péché, fait tout ça qui parle de la volonté de Dieu, suspendu fait mon injustice, et bien l'Éternel en conversion dans le peuple, et bien ouais, l'Éternel a utilisé des expressions et bien qu'il te joigne dans le livre de Théonome. D'ailleurs, dans l'époque, et bien Jérémie, hein, eh bien, Jérémie te gen étudié parole qui nan eh bien livre de Théonome là, il te gen connait ensemble d'enseignement, eh bien lorsque lui-même t'a parlé des peuples là pour tourner vinn Dieu bon Dieu, eh bien Jérémie t'a parlé utiliser des expressions ou bien des paroles, des citations et ou bien t'a fait des allusions avec des paroles qui nous joignent dans livre de Théonome là. Et une là d'ailleurs que nous te ouais, eh bien il te répéter parole ça que nous joignent dans Théonome chapitre 4 verset 23, entre verset 23 ou bien verset 29, pour t'avoir dit peuple là, eh bien, c'est pour nous chercher bon Dieu et n'a besoin de bon Dieu. Mais à condition, si nous cherchons avec tout cœur. Eh bien, paroles, ça, c'est des paroles qui étaient déjà jointes dans le livre de Théonome, que le prophète Jérémie, eh bien, t'a pral utilisé pour que ramener peuple là
vin jwenn bon Dieu pour montrer peuple là malgré tout ça yo fait qui pas dans volonté bon Dieu malgré tout ça yo fait qui bon Dieu lui-même il va prendre plaisir là-dedans mais si on foi dans vie yo décide de tourner vin jwenn bon Dieu yo décide de chercher bon Dieu et bien prophète l'a fait comprendre et bien il a joindre bon Dieu Jean qui Moïse serviteur de l'Éternel prophète de l'Éternel qui déjà écrit bien des années auparavant et nous te voyons encore et prophète Michée et tu as pral souligner une autre bagaille qui est vraiment important et bien Michée tu as pral répéter une parole que Dieu dans Deutéronome et qui parole lié qui ça bon Dieu attend dans mes peuple là qui ça bon Dieu mandé peuple là pour le faire et bien nous te voyons tu as gain trois bagailles qui était vraiment essentiel dans partie leçon ça que bon Dieu et bien tu mandé peuple là pour que li capable faire bon Dieu attend que peuple là et bien li marcher dans la justice que peuple a remé fait ça qui bien que peuple a pas maltraité et bien moun et bien qui a vivre bon côté parce que te gion bagay qui t'a prégné depuis l'époque Moïse et qui continue jusqu'à journée aujourd'hui on a parlé là c'est que moun yo et bien yo toujours a fait injustice avec moun qui méritait justice aujourd'hui a et bien moun la met en tort et bien c'est lui même yo bay raison parce qu'il gagne l'argent parce qu'il gagne nom et bien parce qu'il y a un ensemble de choses qui fait venir comme étant un privilège mais notez ouais puisque tu gagné un ensemble de choses de mal qui t'a régné en Juda ou en Israël à cette époque et bien notez ouais et bien prophète Michée et bien t'a répété une parole que Moïse était déjà écrit bien des années qui nous vient dans les Deutéronome qu'a demandé ensemble avec le peuple là pour qu'il soit capable et bien pratiquer la justice et bien pour yo vivre selon volonté bon Dieu. Et une bagarre encore que nous avons parlé, prophète Michée t'a pas le fait. Et bien nous parlons dans un texte qui était par nous dans les semaines maintenant, nous te voit dans Amos, nous te voit dans Osée. Et bien bon Dieu, et bien t'a pas rentrer dans procès ensemble avec peuple là. Et bien peuple là a fait ça qui pas bon. Peuple là et bien déshonoré bon Dieu à travers une bonne action qui même yo posé. Mais nous, bon Dieu, pas dit peuple là, et bien pour qui ça ou a fait ça? Bon Dieu, l'entrée en procès ensemble avec peuple là, il pas dit peuple là pour qui ça ou désobéir? Pour qui ça, et bien on va pas de résidole? Pour qui ça nous fait tout ça qui par la volonté? C'est pas ça, bon Dieu dit ensemble avec peuple là, suivant ça, et bien prophète là, lui-même le répète. Mais plutôt, nous, bon Dieu, m'a dit peuple là, qui ça le fait ou qui pas bon? Est-ce qu'il y a une fois où tu es relé, il va répondre? Est-ce qu'il y a une fois où tu fais une demande ensemble avec lui, lui-même, il va répondre? Pour qui ça, et bien, eh bien, yo même yo pas choisi marcher selon volonté, est-ce que lui-même li gen un problème contre yo, est-ce qu'il te fait un bagage qui va bon? C'est pour montrer bon Dieu yon bagage que lui-même li attend nan men nou. Bon Dieu appartenne et bien que nous-même nous marchons dans la justice, bon Dieu appartenne que nous gen ça la compassion, bon Dieu appartenne que nous gen ça l'humilité, bon Dieu appartenne que nous marchons dans la justice, que nous fait ça et bien qui nan volonté. Bon Dieu pas d'accord et bien pour n'a opprimer l'autre monde pour que nous capable riche. Bon Dieu pas d'accord pour nous maltraiter l'autre monde pour nous créer propre fortune nous. Mais ça qui est essentiel là, bon Dieu veut dans toutes conditions puisque nous c'est peuple, et bien il faut que nous capable représenter tout côté que nous capable passer et de façon digne pour que nous capable représenter. Mais une l'autre partie que nous te voyons encore dans les semaines là, nous te voyons et bien la prière de Daniel. Rappelez-nous, et bien peuple bon Dieu a passé 70 ans et bien à Babylone. Et pour qui ça? C'est parce que le peuple a été fait à pile bagaille qui part dans la volonté bon Dieu. Et bien lorsque le peuple a fait tout ça qui part bon, et bien bon Dieu te permet que les Babyloniens viennent prendre, et bien le peuple ça, et bien brûle les villas, et bien brûle les temples, et bien tuer en pile monde et te sacrifier, yo dans pile là donc qui te dispersé à travers le monde et il te prend, et bien roi et Babylone à cette époque, te prend ensemble de jeunes. Et bien ensemble de monde t'es allé ensemble avec eux à Babylone et Daniel et bien qui vient conscient des conditions peuple là Daniel l'a étudié livre de Jérémie qui t'est parlé de 70 années que peuple a pour le passer en esclavage à Babylone lorsque Daniel ouais bien 70 années a passé lui ouais bon Dieu pour qu'on fait intervention et bien il parlait pour lui dire bon Dieu et pas 70 années a passé ou pas fait intervention c'est pas ça il dit mais plutôt l'aller lui présenter devant bon Dieu et ben lui faire une prière d'intercession pour montrer bon Dieu dans condition que yo y a c'est eux même qui mettait tête lui pas accuser bon Dieu mais plutôt lui reconnaître lui-même en tant que
en tant qu'Israélite, en tant que serviteur, bon Dieu, c'est eux-mêmes qui mettent tête dans la condition. Ça. Je dis à Guerpil dans nous, les nous tombons dans une situation difficile, les nous souffrons, ben, à cause de ça, nous faisons, nous ne pas même rendre compte, mais plutôt, nous disons, bon Dieu, oubliez-nous, et bien nous mettons, bon Dieu, responsable de ça qui est arrivé nous. Mais nous, c'est par ça, et bien, et Daniel lui-même dit fait. Daniel a prié, bon Dieu. Et lorsque Daniel a prié, bon Dieu, et nous voyons dans Daniel, chapitre 9, verset 11, verset 13, Daniel pral mentionné. C'est parce que le peuple n'a pas décidé de faire ça, bon Dieu, mandé, qui cause le peuple à tomber dans une condition qui si bas, dans une condition qui si dégradante. Eh bien, Daniel mentionné, eh bien, c'est parce que le peuple n'a pas pratiqué la parole qui dans le livre, la loi de Moïse, là, eh bien, qui cause, eh bien, malheur s'arrive. Et qui ça qui te gagne dans le livre, la loi de la loi de Moïse, généralement, c'est les cinq premiers livres qui nous viennent dans la Bible, là, mais plus particulièrement, le livre de Théonome, là, côté toute loi que bon Dieu te baille avec peuple là et tout que venir répéter dans seulement grain livre ça qui c'est Deutéronome. Et bien Noé encore Daniel te fait mention du livre Deutéronome là, des ensemble de citations, des ensemble de conseils, d'exhortations, mais qu'elle devient dans livre ça, c'est parce que peuple là pas garder parole ça yo qui fait malédiction ça yo arriver sur. C'est là dit Noé, moi ensemble avec vous je dis nous besoin faire en sorte que pour que nous capable garder parole bon Dieu. Pas accuser bon Dieu de rien, mais plutôt accuser tête, non, parce que c'est nous-mêmes qui choisissons marcher dans l'infidélité ensemble avec bon Dieu. Et notez, ouais, nous-mêmes en tant qu'adventiste du 7e jour, qui a un peu de connaissance à travers la parole, bon Dieu, que bon Dieu, bah, nous avons une mission pour que nous soyons capables d'évangéliser le monde, ça, et bien, nous besoin pratiquer la parole, bon Dieu, pour nous éviter que la malédiction tombe sur nous, mais plutôt pour que nous soyons capables de jouir de bénédictions spéciales que bon Dieu lui-même lui réserve pour nous. C'est-à-dire, nous, qui valait situation difficile que le peuple bon Dieu lui-même lui était tombé, et comment le prophète a utilisé le livre de Théonome pour qu'il soit capable de redresser eh bien, le peuple ça pour marcher suivant la parole de bon Dieu. Ça montre l'importance que l'Ancien Testament lui-même lui gagne. Je dis, nous, dans tout le monde, lorsque vous parlez d'accord avec des enseignements qui trouvent dans la Bible, vous dites, ah, ça c'est l'Ancien Testament. C'est comme si écrit l'Ancien Testament, il n'y a pas bon. Et nous ne pouvons pas comprendre le Nouveau Testament si nous ne comprenons pas eh bien, ça qui est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on ne peut pas répéter la parole, ça, si nous devons répéter pour nous dire ça, c'est l'Ancien Testament, il n'est pas important. Certes, il y a un ensemble d'enseignements, de pratiques qui gagnent vraiment dans l'Ancien Testament qui, je dis, qui va permettre pour nous faire. C'est-à-dire, si nous ne pas faire, il n'y a pas péché, comme ça, si nous faisons tout, nous pas péché. C'est-à-dire, il n'y a pas important, mais ce n'est pas l'Ancien Testament en général eh bien, qui n'a pas gagné d'importance. Eh bien, que moi-même, ensemble avec vous, je dis, nous prenons détermination pour nous lire la parole de Dieu, pour nous comprendre la parole de Dieu, pour nous pratiquer la parole de Dieu et pour que nous enseignions la parole de Dieu avec l'autre monde et ensemble pour nous préparer nous pour que nous capables d'obtenir le retour en gloire de sauver nous, qui c'est Jésus-Christ. Eh bien, en gros, c'était révision. Laissons-le maintenant et qui c'est le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Avant même que nous allions, nous prions mon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci parce que pendant toute semaine, là, vous avez essayé nous pour nous comprendre l'importance que la loi a dans la vie. Aidez-nous pour que nous puissions pratiquer parole. Et comme ça, mon Dieu, quand Jésus est capable de retourner, il est capable de traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas mériter pour nous consacrer à Jésus. Amen. Déjà, M. Tout passe un très bon week-end. Bon sabbat, bonne adoration et que Dieu vous bénisse.